Je dis à ce lundi 22 juillet, c'est avec un peu de plaisir que amis qui m'ont pour nous capable de poursuivre avec l'étude dans l'école du Shabbat pour ce matin. Je dis à nous parler ensemble, les murs tombent grâce à la prière. Les murs tombent grâce à la prière. Avant même que nous rentrions dans le développement à nous prions, bon Dieu. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci parce que chaque jour vous mettez à disposition nos paroles. Merci pour l'enseignement, chariot. Aidez-nous pour que vous capable d'aider nous chaque jour, pour que non seulement nous comprenions, mais pour que vous capable d'aider nous à devenir de meilleurs serviteurs. bénis nous Père des cieux, dirigez-nous, sauvez-nous. Accordez-nous le Saint-Esprit qui est la soit de Jésus. Amen. Amen. Moi, je vous remercie, mes M. pour l'effort que vous faites chaque jour, pour capable d'étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois où vous finissez d'étudier, moi toujours. Bon plaisir. Encouragez-vous pour partager tout ça avec un tour pour faciliter plus mouns, étudier de monde capable d'étudier le son école du sabbat. Soubattou abonnez m'amdou, courez vite à le faire ça et encouragez l'autre monde, fait mes en ensemble avec vous. C'est Ce maintenant le son 9, une vie de l'orange. Et verset à mémoriser, Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4, qui c'est? verset nous gagne pour nous mémoriser ensemble dans le cadre pour ce Jeudi, c'est lundi 22 août. Les murs tombent grâce à la prière, ces portions d'études que nous parlons ensemble jeudi. Il y a une expression en anglais qui dit comme ça. Se retrouver cerné par la peinture. Imaginez que vous-même... Ou touve ou nan non, non kare kote ke wapentire kare la. Men wapentire kare la, se pa mi ou yo. Men se sol la. Len di sol la. E nanagaj pa nou. E ben pou ka bien kompren. E nanagaj kre yo la. Se kon sou da di wapentire. E ben e, mi ki atea. An dil kon sa. Padon an den kare la. Mi ki atea. Se li mim Wap, e, wapentire. Ok. Men... Ou vin ren kont a an mouman ke ou vin tou voun an kwen. Kou nan la pou soti, fok ou pase sou penti ou fek sot penti greyo. Okay? Ou pa rewout, pase ou telman pa itiliz an metod pou fek sot feya, ou pa kite espas pou soti, men kou nan vin tou voun an mouman pou soti kou nan la, fok ou mache sou penti sa ou sot mete a teya. Sou penti ou sot feya, pa da li mèm li pou kou mèm sech. Ou ven sati ke ou dwe rete pou ton pentian sech pou kamache sou li. Sa vre? Pase si li poko sech ou al passe sou li ki sak pase, penti a ven led. Travay ki o te feya, la ven pet koman travay ki an ven. Men pwafwa nou kon tou ven nou serne pa la penti a koz de notre fwa. Nou kon nou tou ven nou nan sityasyon e kom si pentian te frech a teya. Sa ve di... fwa nou kon piyeje nou, pa ou fwa. Nou ka konsidere, nou konsidere sityasyon an, e nou, se swa nou konsidere sityasyon, nou rete la den, ou bien, nou jte bon die. Kon sa nou kapap kwe, nan tout sa bon die te di nou, ou bien nou oblije, e eh bien, e eh, abadone. Se swa, nou aksepte kondisyon ki nou ye ya, Ou bien nou rejte bon diyo. C'est-à-dire, mèm jen parfois, jen sot par exemple, peintu la, ou fin peintire, e ben, e atea, kounya la, peinti en frech, piskou pat ki te espas pou te pase, ou pa ka pase soli, kounya ou obije ten ni sech. E ben, la vi kreten se konsali, parfois, ge de sityasyon ki nou kontouve nou, nou oblige rete la. Fase, sin pa da korete la, be ki sak pal, pal pase, nou pal obije e eh bien eh, abodone la fwa menm jen moun nan ki fin fe pintu ya si li pa la kon pintu ya gate li obije rete nan kwen kote li ya tan pintu ya sech, gloka mache sou li e eh ben, bon diyo temene Israelit yo nan kwen apre ki te fin fe karan tan eran nan deze la bon diyo pat kondyo nan, nan espas ki te pezib be ki te vid nan. bon diyo kondyo Ve yon nan vil ki te pi fortifiye nan tout rejon. E se pat yon vil ke moun te kapap penetre kon sa. La yo te dwe fe le tout de Jericho a pi en silans padan 6 jou. E pi 7e jouwa, bondi tabal fe yo kriye. E kri sa yo asosye avik trompet. Tabal baryo la viktwa. Paske miyo lan li meni tabal kreazi. Kounya la, an fon ti koude. Nopal li nan Joseph chapitre 5. na pli nan verse 13, pou nou ven nan denne verse nan chapit sa. A pou sa na pli nan chapit 6 la, verse 1 a 20. Nou pa gade ki sa bon dieu tap eseye ensegnye avek Israelit yo. An al gade parol sa, sa. Na pli nan Josie chapit 5, verse 13 pou ven nan verse 15. A pou sa na pli nan chapit 6, verse 1 pou ven nan verse 20. Kom Josie ete pre de Jericho, il leva les yeux et regarda, vwasi en om se tenen debou, Devant lui, son épée nu dans la main. Il alla vers lui et lui dit Es-tu d'un autre ou de nos ennemis Il répondit Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josie tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué Ô tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est sains. Et Josué fit ainsi. Nous parlons de Jér... Josué chapitre 6, verset 1 à 20. Nous parlons comment, bon Dieu, tu es peuple là, et bien, Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ne L'Éternel dit à Josué vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'âche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun appela les sacrificateurs et les dit, Portez l'âge de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes authentisantes devant l'âge de l'Éternel. Et il dit au peuple, Marchez, faites le tout de la ville. Et que les hommes armés passent devant l'âge de l'Éternel. Lorsque José eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'âge de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'âge. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris, alors vous pousserez des cris. L'âge de l'Éternel fit le tout de la ville, et il fit une fois le tout, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portaient l'âge de l'Éternel. Et les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'âge de l'Éternel se mit en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et la garde suivait l'âge de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournaient dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, de l'aurore et il fit de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient de trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. » Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce que de ceux qui seront dévoués par interdit, car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp Israël en interdit et vous jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de fer, seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Et il s'emparait de la ville. Eh bien, Noé, ouais, bon Dieu t'a essayé de monter avec le peuple là. Et qui puissance qui gagne dans la louange, qui puissance qui gagne dans la prière. Eh bien, cri peuple là, c'est pas lui-même qui t'a provoqué vibration qui a fait murlant écraser. Quand Dieu a les isaïdes, était les Israélites pour crier, c'était le même type de cri ça, que David parlait dans Psaume 66, verset 1 et 2, lorsqu'il dit Poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre, chantez la gloire de son nom, rendez glorieuse sa louange. Kri sa yo, se te kri de louange. Apre si jou, y ap mache, y ap gaye de mou sa ki ase gran, e yo te dwe konklu ke yo mem, yo pa gen an yin ki yo te kapap fe pa yo mem, pou ki mou sa te kapap kreaze. Se solman la pwisans de Diyo ki te kapap fe. Solman pwisans bon Diyo. Yo pa gen an yin yo mem yo te kapap fe. Se sa fe, bon Diyo jisman de yo pou yo aji fwa yo, epi bon diyo li men, avek la fwa ki pepla gen, bon diyo montre yo, ki sa li men, di kapap fe. Se da zin noue, mou yo tombe, grase a la prier, grase a la louange, grase avek la fwa ki pepla te gen, nan, ordonans, ki bon diyo li men, li te baryo. Kou nala anje ton kou dey, nan, ebo chapitou 11 verset 30, me bon kishon ki pose, nan ki sa, ide sa, ide nou a kompren, sens parol, ken jwen, nan Ebreu chapitou 11 verset 3. Ki sa pa ou la di? Se pa la fwa ke le murae de Jericho tombe apre kon yon fè le tou pandan 7 jou. Se da di, ge bagay, mem lor pa ka fè an yon pou yo, me de pou manifest se fwa nan bon die, bon die a fè l bou. Pe blan pat wè koman tabal graze murae sa pou te penetre al enteryon de murae sa. Men bon die, se pa la fwa, Bayo lode, yo, yo obeye anseman vek bon Diyo, epi bon Diyo di kreaze l pou yo. Mwen bon manseman vek oujodi agan pe mura e ki nan vi nou, avek le zye de la fwa, yo kapab kreaze. Avek la louange, avek la priyer, avek konfians ken gen nan bon Diyo, e ben yo kapab, e ben kreaze. Kan Diyo sou le pwen de fey kelke chouz, de nouvo nan vi nou, li kapab mene nou jouska yon Jericho. Li kapab bezwen ensegne nou ki La puissance des triomphe n'est pas possible avec force non seulement, avec stratégie non seulement. Ok que Ce n'est pas avec force par nous d'apporter la victoire. Tout ça, nous avons besoin de trouver nous en dehors de nous-mêmes. Alors, peu importe ça qui est capable d'appartenir, peu importe combien ça paraît insurmontable, mais et, le rôle nous, c'est louer bon Dieu. ki se sous de tout sa ke nou bezwen, se sa nou wele la fwa an aksyon. Se da diya, depi nou loure bon die, menm jan bon die avèk la louange, li kreaze miran jiriko, nan sityasyon difisil ke nou yo, bon die kakreaze miran la pou nou tou, agrave louange nou yo. Se da diya, menm aswa avèk ou, miran ki an fas nou an, problem ki an fas nou an, difikultè ke nap travese kalamite, tribilasyon, persekisyon ke nap travese jodi ya, Avèk la louange, nou kapab renversè yo. Tout sa ki fè obstak ansèm avèk nou jodi ya, depi nou fè bon diyo konfians, nou louwe bon diyo, nou priye, nou manifeste fwa, e ben, yo tout yo kapab disparèt pou yon ti krastè. Nou kampè la. Pabliye jodi ya nou tapre ansèm, le mion tombe grase a la priye. La priye, la louange, la fwa, la konfians an diyo, se sa ki wè manseman avèk ou nou bezwen. pour nous renverser toute forteresse l'ennemi a mettait devant nous, eu, toute barricade l'ennemi a mettait, avec la louange, la prière, la confiance en Dieu, nous sommes capables de renverser. Les murs grâce à la prière. C'était pour ça que nous avons pu Avant même que nous allions, nous remercier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Et nous, chaque jour, nous sommes capables de faire confiance ensemble avec vous. Et quelle que soit la situation difficile que nous capable de trouver, nous, pour nous faire louange pour vous-même. Et qu'on soit capable de renverser toute barricade qui est en face. Nous Nous pas de mais nous voulons nous, nous Jésus. Amen. Déjà, je vous passe une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.